Bonjour tout le monde, bienvenue à la chaîne Android Technologie. Les nouveaux qui regardent la chaîne, vous êtes les bienvenus. Comme d'habitude, j'insiste, abonnez-vous à la chaîne. Abonnez-vous à la chaîne. Il faut atteindre les 100 000 abonnés en 2022. Je compte sur vous les amis, je vous aime de tout mon cœur. Bon frérot, tu cherches un casque pour jouer, un casque gaming. Oui, mais t'es perdu, tu sais pas ce que tu vas acheter. Un casque pro ou bien un casque amateur, tu viens de commencer. Donc, j'ai une très bonne idée. Je partage avec toi un casque de la société Exas. C'est un casque qui est vraiment pro, avec une très bonne qualité sonore et surtout un prix qui est très intéressant. Allez, on va faire le unboxing du casque, le E900 Pro de Exas. Bam! Franchement, c'est la première fois que je teste un produit de la société Exas. Donc voilà la version du Surround 7.1, ça c'est déjà pas mal. Le nom du casque ou bien la version du casque, c'est le E900 Pro. Voilà, 2-in-1 Gaming Headset. Ça veut dire on va jouer, en même temps on va passer des appels je crois. Donc ici il est compatible PS4, Xbox One, S, X, Nintendo Switch et le PC. Donc c'est déjà pas mal, ok. Donc derrière, on va voir les caractéristiques. Les caractéristiques, tac, interface type jack, tatat, câble audio, driver, sensibilité, speaker. Bon les amis, voilà les accessoires concernant le E900 Pro. On a la notice, malheureusement il n'y a pas la langue française. On a cette carte si vous voulez scanner le code barre. Concernant la garantie, voilà c'est affiché ici, vous avez 2 ans de garantie. Et ça c'est vraiment un très très bon avantage. On a un câble qui mesure 2 mètres. Voilà, si vous voulez relier le casque à votre ordinateur, à votre PlayStation ou bien à votre Xbox. On a un deuxième câble ici, voilà cette fois c'est un type USB-C. Voilà. C'est la même mesure. Et on a un connecteur jack. Ça, c'est un mini câble qui vous permet de relier le casque à votre PC ou bien à votre ordinateur. Et on a un microphone qui est détachable. Ça, c'est déjà pas mal. OK. Et voilà, on a le casque, le E900 Pro. Comme vous voyez, voilà, c'est une très belle couleur. C'est un mélange du noir et entouré par le rouge sur les deux côtés. Là, sur le côté des multimédias, je ne sais pas est-ce que ça s'allume en rouge ou pas. On verra ça plus tard. Concernant l'arceau ici, c'est entouré par du cuir et semi-cuir. Ce côté-là, il y a du cuir. Et deuxième partie ici, c'est du semi-cuir. Ok. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis que du cuir et semi-cuir ici. Je ne sais pas pourquoi. Bon, bref, on va continuer le mode unboxing. Sur les deux côtés, on trouve 2 coques en métal léger qui protègent votre casque, plus le logo de la société Exas. À l'intérieur, il y a un haut-parleur de très très bonne qualité sonore, offrant un son stéréo clair et des basses puissantes. Côté coussin, c'est une très très bonne qualité du semi-cuir. Attention, je dis semi-cuir et pas cuir. Parce que même semi-cuir, il y a de la qualité, il y a de la mauvaise qualité. Les deux côtés des coussins, ça tient vraiment bien. Regardez-moi le design, le style du casque, le E900 Pro. Donc, concernant les connectiques, vous avez le volume pour baisser, pour augmenter le volume. On a un petit bouton pour couper carrément le son du micro. On a une entrée jack pour brancher le casque directement à votre ordinateur via le câble jack. Ici, vous pouvez aussi relier votre casque à votre ordinateur via un port USB. Là, c'est le type C. Voilà. Et vous branchez le câble sur le port USB. Et on a l'entrée du microphone. Donc, microphone qui est anti-bruit. Voilà, comme ça. C'est très, très, très simple. Donc, on va brancher le casque. On va le tester, les amis. Le son, les amis, c'est trop puissant. Donc, j'augmente le son. Écoutez. Écoutez le son, les amis. Écoutez le son. Et là, ça, vraiment, ça pète les oreilles. Ça pète les oreilles. Et ça, je n'ai pas encore installé le pilote Surround 7.1. Voilà, sur le site officiel, les amis, vous allez trouver toutes les informations concernant le Exas
E900 Pro. Franchement, regardez son prix, il est à 50 actuellement au lieu de 80. Le son Surround Virtuel 7.1, ça il faut l'installer. On va aller dans Support, on va cliquer sur Surround 7.1, ok. On va choisir la référence du casque. On va cliquer sur Télécharger maintenant et on va choisir le casque, le E900. Bon, on va chercher le E900, le E900. Bah, je crois Pilot Surround E900, voilà. Je clique sur Télécharger et après on va le télécharger et on va l'installer depuis le Google Drive. Vous cliquez sur Télécharger, télécharger quand même. Une fois c'est téléchargé, vous installez le driver. Mais ce qui est important, les amis, c'est la qualité du son. Croyez-moi, j'ai testé la musique, le son, il est filtré, les basses et tout, rien à dire. J'ai l'impression que je suis dans la voiture, entouré par les spectateurs, les bruits des voitures, l'accélération, je l'entends de ce côté-là, et les gens qui crient, je l'entends de l'autre côté. C'est ça le rôle du Surround 7.1. Franchement, franchement, le son, c'est professionnel, les amis. Le freinage de la voiture qui sort par là, le cri, les spectateurs qui sortent par là, franchement, c'est ça le rôle du Surround 7.1. Il faut l'installer sur le PC et après, vous allez profiter d'un son supérieur grâce à ce magnifique casque, le E900 Pro de chez EXA. Donc, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Franchement, le prix, 50 balles, c'est rien. 50 balles, puisque la qualité du son, j'ai plusieurs casques, je ne vais pas vous mentir. Je ne vais pas vous mentir, j'ai plusieurs casques. Plusieurs casques. Mais une fois que j'ai testé le E900, là, je ne vais pas le changer. Ça, c'est du professionnel. Vraiment, chapeau. Franchement, chapeau à la société EXA. Vous avez fait un excellent travail. Donc, le lien, je le laisserai dans la description si vous êtes intéressé parce que vous n'allez pas le regretter. Allez les amis, Android Technology, qui vous aime, mettez du like, abonnez-vous à la chaîne et à la prochaine pour un nouveau mode unboxing. Salut à tous. Bon.